comment vous appelez-vous? Monsieur Jean Bumba, bonjour. Quel est votre métier? Je suis entreprise générale. Je suis géomètre de formation. Qu'êtes-vous venu faire à Batimat? Ben, nous venons à tous les salons. Ça fait qu'il y a 3 ans, on n'a pas eu un salon comme celui-là. C'est toujours bien de visiter un salon de cette dimension parce qu'on apprend beaucoup. Il y a beaucoup d'innovations dans le cadre de notre métier. Vous cherchez quelque chose en particulier? Bon, on cherche des choses particulières. Naturellement, nous en Afrique, on prône maintenant sur tout ce qui est environnement. Donc, si on peut faire en sorte que tout ce qui protège la nature soit utilisé dans le cadre de notre métier, mais nous, on met en premier cette disposition-là parce que notre gouvernement nous le recommande. Justement, c'est l'année du verre et du coup, le verre est un matériau très écologique. Vous travaillez souvent avec des miroiteries? Oui, beaucoup. On travaille beaucoup. Naturellement, on fait beaucoup de murs rideaux. Et là, sur les dalles toitures, on est en train d'apporter une autre innovation en mettant des panneaux solaires pour produire et de l'énergie qui doit servir pour le bâtiment que nous sommes en train de construire. Et vous connaissez la miroiterie Righetti? Non, j'ai été très enchanté de connaître vos produits qui sont de très bonne qualité. J'espère qu'on fera affaire. Dans nos produits, quel produit vous intéresse le plus? Bon, nous avions été intéressés par les verres qui sont avec des fibres de sécurité, hein, ça c'est très important. Mais aussi les verres qui donnent aspect de claustrat de couleur et les verres qui sont sur des marches d'escalier, ça fait que ça donne une autre allure. D'accord, bah merci beaucoup. Merci.